Salut les gens, c'est Starpu, on se retrouve pour la deuxième partie de la transformation de la Doge. Alors un petit conseil, si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous conseille de la regarder avant de regarder cette vidéo. Bon alors pendant que ma deux chevaux se fait décaper la carrosserie, je suis allé voir sur internet un peu pour trouver l'inspiration et je suis tombé sur ce genre de truc. Donc pour Google, un buggy de chevaux c'est ça. Donc voilà, je suis pas bien avancé, j'ai pas trop envie que mon buggy ressemble à ça hein, parce que... Je pense que quand on modifie une voiture, c'est pour donner un rendu un peu cool et pas pour faire un truc le plus moche possible. Donc en fouinant un peu, je tombais sur ce genre de truc. Alors ça, c'est une voiture de course sur glace. Mais ce qui me dérange avec ça, c'est qu'elle est lourdement modifiée avec un kit en résine. Et du coup, bah, déjà, on perd un peu le côté de chevaux et puis on perd complètement le côté post-apocalyptique. Donc je me suis dit, je vais m'orienter plus vers les hot rods, parce que les hot rods sont souvent des trucs qui ont un aspect assez vénère, hein, qui correspond à ce que je veux donner, et en plus à un côté souvent un peu modifié à la main, hein, avec pas vraiment des pièces d'usine. Et du coup, je suis tombé là-dessus, alors ça je pense que c'est du tuning Photoshop, hein, comme on appelle ça, je pense pas que ce soit une vraie voiture. Mais quand même, ça nous apprend qu'on peut enlever les ailes avant sur une 2 chevaux et que c'est encore une gueule sympa. Et puis ça nous apprend que bah, si on veut garder la ligne et qu'on puisse reconnaître une 2 chevaux assez facilement, bah, il faut mieux garder les phares. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant. Je vois assez bien mon véhicule ressembler à ça, mais avec plus de garde au sol et des grosses roues, bien sûr. Cependant, je voulais quand même essayer de trouver un modèle de 2 chevaux avec un moteur à l'arrière pour voir comment il pouvait intégrer ce moteur et donner un look sympa à l'arrière. Bon, j'ai pas trouvé ça, j'ai pas trouvé de gros V8 posé sur le train arrière dans une 2 chevaux, c'est un peu dommage. Par contre, j'ai trouvé ça, donc c'est assez proche du rendu que je voulais, parce qu'on voit qu'il a enlevé tout l'arrière pour faire rentrer un gros train. Donc on n'a plus qu'à imaginer un moteur dessus, et puis je pense qu'on est assez proche de ce que je visualisais. Donc cette voiture, moi, elle m'inspire, et je l'imagine assez bien sur une grille de départ de Gaslands, hein, clairement. Donc je pense qu'on va s'orienter là-dessus. Bah, en mode tout terrain bien sûr. Bon maintenant j'ai une vision assez précise de ce que je peux faire et ce que je peux pas faire avec une 2 chevaux, donc il n'y a plus qu'à. Alors nous revoilà avec notre 2 chevaux. Alors du coup qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire suite à ce qu'on a pu voir? Donc une chose est sûre, c'est que je vais virer les ailes avant. En plus là on a des phares carrés qui font un petit peu qui sont typiques des générations des dernières générations de 2 chevaux. Donc si je veux mettre des petits phares ronds, ça fera un petit peu plus vintage, ça pourrait être sympa. Je vais virer les ailes arrière. Bon, ça me paraît le strict minimum pour faire un buggy. Ensuite, comme on s'était dit, ça c'est un toit découvrable. Hein. C'est voilà, c'est un toit en toile. Du coup, bah on va dégager parce que ça n'a pas trop de sens de mettre ça, de garder ça sur une course à la mort. Et je pense que je vais dégager l'entièreté de la malle arrière. Donc, on va ouvrir la 2 chevaux de là. Ah là, voilà, donc ça va être sympa, ça va permettre d'avoir pas mal de détails sur l'intérieur, de pouvoir mettre des bonhommes, pouvoir mettre un gros moteur, je pense que ça peut être sympa, mettre un arceau-cage qui va donner un peu de cachet. Donc voilà, dans ma tête, je vois très bien ce que ça peut donner, après la question, ça va être de faire quelque chose de crédible et d'arriver à concrétiser ce qu'on imagine. Alors moi, la plus grosse difficulté que je vois pour l'instant, c'est la gestion du pare-brise. Parce que couper tout au long ici, là, ça va être assez simple. Par contre, arriver à sectionner ici, je vois pas trop comment y arriver. Il me faudrait une scie à chantourner encore, ça serait quand même un peu compliqué. Donc, je vais voir ce que je peux faire. Peut-être que je vais mettre un petit coup de disque, voilà, sans essayer de tout niquer. L'autre difficulté que je vois, c'est que à l'arrière, j'aurai plus bah, l'habitacle. Voilà, donc je vais couper cette partie-là. Donc là, j'aurai plus rien à l'arrière. J'aurai plus grand chose, j'aurai plus de carrosserie, donc il va falloir que je cale un moteur et mes deux demi-trains tout terrain avec les amortisseurs et pas qu'ils flottent dans l'air quoi. Donc il faut que je crée un petit support pour les poser. Donc c'est là où le plancher va être un petit peu important. Je pense que je vais venir m'appuyer ici et puis coller des petites plaques pour venir coller mes demi-trains. Donc je sais pas trop encore comment je vais me débrouiller, ça me paraît un peu compliqué. Et puis il va falloir aussi construire tout un arceau-cage, donc je pense que ça va être assez rigolo. Dans ma tête, je vois bien comment ça peut se passer, mais voilà, faut espérer que ça se passe, que tout se passe bien, quoi. Et du coup, bah la première difficulté, ça va être la découpe, parce que je vais faire sauter énormément de choses, et il faut pas que j'abîme la voiture. Donc, par exemple, il faut pas qu'en la serrant dans l'étau,
je l'écrase complètement parce qu'après récupérer c'est très compliqué. Donc voilà, ça va être la première chose un peu pénible. Et bah écoutez, je vais aller dans mon garage, je vais jouer de la meuleuse et du forêt, et puis on verra bien ce qui se passe. Bon, ça y est, on a terminé notre phase de découpage. Donc là, voilà le rendu. Je pense que ça colle assez bien à ce que j'imaginais. Je suis assez content du résultat. J'ai réussi à découper le toit sans tout défoncer. Donc je suis plutôt content. Les ailes arrière se sont bien enlevées. Le plus facile, ça a été les ailes avant. Hein. La scie à métaux, c'est venu tout seul. Donc voilà, après une bonne demi-heure de scie à métaux et de lime, on arrive à un résultat qui est vraiment très correct. Je vais quand même vérifier que j'ai pas tout défoncé lors du découpage. Donc là, on voit qu'au niveau du châssis, on tombe à peu près bien partout. À l'arrière, pareil. Donc la voiture a gardé sa forme. Donc voilà, c'est un succès. Je me demande si là, ouais, un petit. Bon, c'est pas très grave. Ça ne doit pas trop jouer. Bon, alors maintenant, on va mettre l'habitacle. On va commencer par là, je pense. Donc on va couper derrière les sièges et on va pouvoir commencer à monter notre véhicule. Donc j'ai cassé récemment ma pince coupante de modélisme. Donc on va utiliser celle-là, qui est une petite pince coupante. On va y aller gaiement. Voilà, on essaye de faire un boulot assez propre quand même. Donc là, on va avoir notre poste de pilotage. On vérifie que ça rend bien. Donc là, on a une forme au fond qui fait assez bien châssis, hein, donc on va pouvoir s'en servir pour venir poser tout notre matos. Moi, je trouve que pour l'instant, le résultat est pas mal. Donc, on va venir couper cette petite partie qui sert plus à rien, hein, qui fait genre plaque d'immatriculation et qui permet de clipper avec la caisse. Donc, vu qu'on n'a plus le clip et qu'on n'a plus besoin de plaque d'immatriculation, on va s'en affranchir. Voilà. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Je pense que je vais même enlever ce pare-choc là. Je pense que ce pare-choc il nous aide pas trop à donner un rendu un peu. Pas ce que vous en pensez. Bon. Je serais presque tenté d'enlever tout l'arrière là qui nous sert à rien. Bon alors j'ai fait 2-3 montages à blanc avec mes demi-trains tout terrain avec 2-3 moteurs. Donc voilà, j'ai pris un moteur qu'il y avait dans le kit Warrig de Cavanon Factory et un moteur que j'avais de Green Miniature. Ouais, j'adore Green Miniature, tout ce qu'ils font. Alors pour le coup, c'est vraiment pas donné, hein. Donc pour rejoindre ce que je disais en début de vidéo. C'est pas bon marché du tout. Par contre, bah c'est de la résine moulée. Donc on voit que les détails sont absolument dingues. Et je trouve que ce qu'ils font, c'est vraiment tip top, notamment les personnages. Donc voilà, donc j'ai fait 2-3 montages à blanc. Et en conclusion, il faut que je rétrécisse le plancher à l'arrière pour que ma voiture ne soit pas trop large.
Donc voilà, à quoi ça va servir de faire ça? Ça va servir à libérer de la place pour que ça passe et réduire un petit peu l'empattement à l'arrière. Bon alors, dans mon souci du détail, je vais rajouter un arbre de transmission parce que là, comme on peut voir sur ce demi-train, ben, il n'y a pas de transmission. Donc je vais juste en rajouter un. C'est juste pour moi parce que je suis un grand maniaque. Voilà, on va prendre une perceuse à main, on va viser grosso modo le milieu. Voilà, donc je vais mettre un peu d'angle comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien. Et on va venir se prendre là-dedans, par exemple, hop là, on va venir faire un trou là. Et voilà. Et on va venir mettre notre tige. Voilà. Un arbre de transmission tout à fait crédible. Ensuite, on va couper. Ensuite, on va venir coller ça à sa place en essayant de faire en sorte que le moyeu soit au centre de l'aile. C'est pas gagné, mais ça pourrait rendre mieux. Donc voilà. Je trouve que c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça aurait pu être sympa, un peu plus axé sur l'arrière. Je trouve que le rendu est pas mal. Bon, et ben, il n'y a plus qu'à faire l'autre côté. Ensuite, on va s'attaquer aux roues. Alors, déjà, on ne va pas garder cet essieu-là, qui est beaucoup trop court et beaucoup trop fragile. Voilà. On va couper cette partie qui est pas très jolie, là, qui dépasse et qui ne nous intéresse pas trop. On va agrandir le trou pour pouvoir mettre notre essieu. Donc on va essayer de faire un train avant un peu crédible. On va le faire un peu plus petit que le train arrière. Grand encore. Donc là, on a un train avant qui est quand même un peu plus convaincant. Il va falloir lui faire de la place parce que l'axe est quand même un peu plus gros.
Ça m'a l'air assez bien parallèle. Du coup, il va falloir faire de la place ici pour que ça puisse prendre appui. Bon, les résultats me paraissent pas mal, du coup, ben, on va attaquer le montage. Bon, alors maintenant on va s'attaquer à ça. Alors j'ai mis un petit coup de forêt à l'intérieur parce que je trouvais que le contact entre le train et la roue n'était pas terrible. Donc j'ai mis un petit coup de forêt pour qu'on ait une surface qui soit un peu plus propre, quoi, pour pouvoir coller. Et en plus ça réduit un peu la voie, donc c'est pas mal, ça me plaît. On va ébavurer un peu ce caca là, qui sont liés à des problèmes d'impression, je pense. Et voilà notre voiture. Là, on a une idée un peu plus précise de ce à quoi elle va ressembler. Ouais, donc on voit que la deux chevaux, elle est un peu plus grosse que la coque, hein.